tes chaud patates. Ah bah moi ça va. Toi t'as deux couches, moi j'en ai 12, regarde. J'ai pris 20 kilos de fringues. On va mettre du lest dans ta caisse. Un peu plus de 900 kilos d'origine. Avec le plein et ouais. Avec le moteur, parce que la boîte elle pèse très lourd, je suis à 1,025 tonnes. Sans moi dedans. Mais on dit pas la puissance tout de suite. J'ai pas dit la puissance. Ce j'essaye ta caisse va être exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on fait une caisse débile comme j'aime. On balance tout de suite l'info, le mot magique, swap. On parle d'une Opel Corsa B. GSI, qui dit B dit deuxième génération, ouais, mais on dit pas tout de suite le swap non, de quoi. Ah oui, on a oublié de... Faut s'abonner, t'es abonné toi? Bah bien sûr. Attends, abonnez-vous. Mettez la cloche. Nous sommes dans les années 90, il faut succéder à l'Opel Corsa A. Et donc, ils font l'Opel Corsa B. Ils se sont pas pris la tête, ils ont pris les lettres de l'alphabet. Putain, ils ont du monde en face, hein. Il y a la 106. On pourrait presque la comparer à la 205, mais c'est pas tout à fait le même segment, c'est plus 106. Pour autant, on la compare quand même un peu à la Clio SL chez Renault. Donc c'est hyper compliqué, parce qu'il y a quand même des caisses qu'on voit du gros linge, qui ont un châssis. Et Opel est un petit peu le mal-aimé de la bande. Ils ont été timides quand même avec leur petit moteur. Ouais. Je suis timide. Je suis trop timide. Du coup, ils nous ont mis à l'origine un petit 1,6 litre. 109 chevaux. Ouais, 109 chevaux, 16 soupapes. Sachant que l'ancien était à 100, c'était un 1,6 litre, 100 chevaux, sachant que la caisse était beaucoup plus légère. Voilà, donc ils passent d'un moteur à l'autre, ils mettent que 9 bourrins de plus. Voilà. Tu comprends pas pourquoi? Bah, ils ont mis un plus joli kit aussi. Voilà. Ils auraient pu mettre un 2,16 litres dedans ou un truc comme ça, mais bah non, ouais, ils auraient mais ils l'avaient en plus et ils l'ont pas fait. Ils ont pas eu l'audace. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, si, ils l'ont fait, c'était pas mal parti, mais ils se sont arrêtés là. Et donc en parallèle, chez Opel, pendant qu'il y a la Corsa GSI, il y a la Calibra qui sort. Qui est d'abord sorti avec des petits moteurs, entre guillemets, 2,16 litres. 2,16 litres, 2,6 litres. Et puis, elle a eu aussi un 2 litres turbo. 4 roues motrices. 4 roues motrices. 204 chevaux. Et donc, vous l'avez compris, on a un swap de 2 litres turbo de la Calibra. Exactement. À part en 2 roues motrices. C'est toi qui as tout fait. On était un groupe de potes, un délire. L'esthétique, il y a tellement de choses à dire en plus parce que on n'a pas dit Alexandre, il est carrossier. Carrossier peintre. Peintre. Mais justement, tu vas voir que c'est un carrossier peintre artiste. Artiste peintre. Oui. Enfin, vous voyez, genre des artistes peintres qui peignent des peintures, quoi. Non, pas artiste peintre qui peint des peintures, artiste. L'origine, le kit était hyper léger, était très voilà, simple. Voilà, exactement. Bah, par choc modifié de la GSI, j'ai supprimé la plaque, je l'ai passé par en dessous, les morettes. Problème, quand on met les morettes, bah, on perd les clignotants. Du coup, bah, j'ai fait une installation clignotant et anti-brouillard dans les anti-brouillards. Des prises d'air du E90, du BMW, parce que je voulais des prises d'air pour le moteur. Non, t'as mis des prises d'air BM. J'adore l'idée. Histoire de gagner un peu de chevaux. 10 chevaux par aération. Exactement. Minimum. Et la calandre, du coup, elle vient d'où? Bah, elle est faite maison. C'est toi qui l'as fabriquée. Ouais, exactement. Attends. Alors, il a du Casto, il a du Corsa et beaucoup de travail. Castorama. Si on peut voir, l'échangeur, il est caché tout en juste tout, là. Parce okay. que je veux qu'il soit discret. C'est d'ailleurs dans le swap, je crois, d'une Corsa avec un C20 LET. Ouais. C'est une des difficultés, c'est faire rentrer cet échangeur. Ça rentre, mais à poil de cul. Ouais, voilà. J'en laisse des morceaux de poudre dedans. J'ai supprimé les gicleurs, je les ai mis intégrés, ça c'est les gicleurs de Vito. Tu les as intégrés aux essuie-glaces? Exactement, parce que je trouvais que c'était pratique. Bah, j'ai supprimé le barrier. Après, bah, j'ai mis ça parce que comme la voiture chauffe un peu trop, bah, faut ouvrir un peu les carreaux. Parce que En été, quand il fait très chaud, bah, il fait très chaud. Bah, surtout que d'origine, je crois que la clim n'existait pas sur la voiture. Ils l'ont sorti en 95. Ah, 80. Sur la dernière année, mais les premières, non. Si, ça devait être une option, mais qui devait coûter très cher. Pas de caisse. D'origine, pour l'instant. Élargisseur d'aile, d'origine. D'origine, pour l'instant. Okay. J'ai mon petit rajout fait maison. Et le petit béquet là, par côté d'origine. Voilà, exactement, c'est un travail. Feu brésilien. Feu brésilien, maqué. C'est quoi le feu brésilien? Ouais, feu brésilien. C'est de la Corsa, quoi, du Brésil? Du Brésil. C'est des feux avec une string. Je sais pas si c'est la louche string, mais. Bah là, à ce moment, c'est pas le moment de le mettre. Pare-choc arrière modifié. Il a 3 pare-chocs pour faire celui-là. Quoi? Il a un kit de Hampshire. Ok, été, Hampshire, ouais. J'ai mis un pare-choc de phase 1, un pare-choc de phase 2, et après avec un embout de Seat Ibiza. À la sortie d'échappement, c'est Seat Ibiza? Ouais, je suis pas raciste, moi, je prends toute marque. J'ai fait les petites. Un petit rappel. Ouais, façon diffuseur. Voilà, là, fait maison aussi, voilà, c'est génial. Un petit truc. Génial. Poignée supprimée, bien entendu, parce que je trouvais dégueulasse. Allez. Et mon petit caisson. Ah, bah t'as mis ta sono quand même. Ah, bah. C'est minimum syndical. Ouais, années 90 quand même. Eh bah attends, il faut respecter la tradition. Ah, et bien entendu, le il a un petit pote à moi qui est sur internet, il m'a fait un petit truc très sympathique. Ah, mais dis donc, où il a rajouté le T? Exactement. Le châssis B14. Stein donc. Ouais, le train arrière de Corsa CGSI. Parce que je suis passé à disque. C'est vrai.
Ah oui, t'es passé en 10 parce que oui, c'est tambour d'origine à l'arrière. Exactement. Ouais. Merci Opel. Merci Opel, oui. Merci Opel pour m'avoir donné autant de boulot. Les cylindres blocs ouais. renforcés. Bah, j'ai pris des jantes un peu énervées parce que je voulais que ça sorte un peu. Bah, après, par la suite, j'en ai d'autres qui vont arriver. Mais d'accord. c'est ça pour l'autre caisse. Bah, c'est des XXR 527. Et ouais, c'est en 7,5 en E35, c'est pour ça que ça a ras des ailes. C'est, j'ai il n'y a même pas de cale. Ah non, okay. pas de cale moi, je veux pas de cale. Non, t'as alors, raison. Alors du coup, je suis à ras des ailes, ça frotte quand je charge, ça frotte de derrière, ça frotte quand je braque. En plus, j'ai changé les boudins à l'avant, je peux même plus mettre mes autocollants parce que je les arrache. À l'avant, je suis passé en Brembo et disque flottant. Alors, est-ce que c'est le moment d'ouvrir le capot? Bah, au bout d'un moment, faut. Allez, vas-y. C'est une voiture de mes rêves, je sais pas pourquoi, quand j'ai eu 16 ans, j'ai vu mon père, j'ai dit j'en aurai une. Je l'ai acheté, j'ai roulé 4 ans en 1 litre, j'ai essayé de l'améliorer, comme j'ai pu l'améliorer avec le 1 litre 16. Et après bah, j'en ai eu marre, hein, parce que 4 ans ça avance pas plus que ça. J'ai des potes qui ont 106 16 qui me mettaient des fessées, j'en avais marre d'être derrière. Un jour je me suis énervé, je me suis mis à prendre des informations, voir ce que je pouvais monter, et je me suis réfugié sur le 2 litres. De l'Astra GSI. Ouais, ok. Alors, il fait donc sortir... le C20XE. Exactement. Ouais. Je l'avais passé au banc, elle sortait 156 chevaux. Ouais. Très donc, sympa. Là, hein. Donc là, ouais. tu recommençais à mettre des fessées à tes potes. Ouais, j'étais content. Là, j'étais content. J'avais même ramené un pote avec moi qui était en 106-16. Il était monté à côté de moi, il me regardait et il me disait eh, ouais, ça marche quand même. Ouais, ok, ça marche. Là, je l'ai regardé, je suis ouais, je suis content quand même. Voilà, j'ai roulé 2 ans et à un moment, bah, ça me manquait le petit. Parce que j'étais à fond Atmo, j'avais une M3E36. Ouais. J'adorais cette caisse jusqu'au jour où bah, les TDI commencent à refaire leur reprog et mettre des fessées. Et un jour, j'ai fait bon, allez, ça en est bon. La M3, je la vends. Et ça, je la passe en turbo. C'est bon, c'est fini. Turbo, c'est l'avenir. Ça fait combien de temps qu'elle est en 2 litres turbo aujourd'hui? 3, 4, au moins. Ok, d'accord. Ans. Là, on est dans la phase où tu vas peut-être commencer à en avoir marre et que ça on marche pas assez. Ah, voilà. Là, c'est une gestion grâce à Martial. Je suis en stage 3. Éthanol. D'accord. Je sors plus de 300 chevaux. Je l'ai jamais passé au banc, alors réellement je peux pas vous dire combien de chevaux là, mais j'ai déjà fait des petits pourchasses avec quelques petites voitures ouais. que j'ai pu croiser. J'en ai surpris plus d'un. D'accord, ok. Alors du coup, je pense qu'elle les a. Je voudrais mettre un échangeur, un turbo externe et mettre ce qui va ensuite pour gagner un petit peu plus de couple et tirer les ailes. Bah, j'ai des ailes, j'ai une autre caisse. D'accord. Tirer les ailes, des jantes un peu plus larges histoire de tenir un petit peu plus la route et. D'accord, donc tu vas revenir. J'espère. Avec une Corsa B GSI modifié. T16V ouais. Plus. Du coup c'est moteur et boîte que t'as j'ai changé. Tout mis. Calculateur, j'ai tout mis. J'ai pris de la calibrage, j'ai pris tout ce qui était du train avant, je l'ai foutu dedans. Ah voilà. T'as le train avant aussi avec. Les cardans. Le train avant il est un petit peu renforcé avec la barre stable et okay. voilà. Et la ligne qui a été faite sur mesure. La partie de derrière en 63-5. Ouais. Et à partir du collecteur jusqu'à en bas du pied, ouais. c'est fait maison. C'est une Inox Car qui me l'avait fait à l'époque. D'accord. J'ai fait une façade démontable. Parce que quand il vous arrive une intervention, bah, sinon il faut tout démonter. Il vous arrive une intervention. Oui, parce que d'origine c'est complètement fixe. Ouais, il y en a même, je crois, dans les swaps qui essayent de la réduire un peu pour ouais. faire rentrer l'échangeur. Bah, moi je l'ai réduit un petit peu de façon que. Bah, pour que ça rentre. Il ne ouais. faut pas que je coupe. Ouais, ouais, elle est un peu réduite dans certains endroits. Nous avons donc l'intérieur à 98% d'origine. Exactement. Et qui rappelle un petit peu l'éclair. Dis donc, il y a du rose dedans. C'est rouge et rose. C'est les sièges qui vont vite. Non, c'est parce qu'ils sont en train de se décolorer, je pense. J'avais mis les ceintures rouges, mais avec le temps, le soleil, ils se sont décolorés. Le plafonnier, je l'ai passé en noir. C'était gris à l'origine. Ouais, par soleil noir. Le volant, bon, c'est moi qui l'ai fait en mode cochon. Ah ouais. T'as fait truc... les coutures. Oui, c'est moi, c'est pas très beau, mais j'attends mon nouveau volant. Ah ouais, donc on s'en fout. Voilà, et là, ma petite particularité grâce à mes potes. Ça, c'est le compteur de Cadette Jessie. T'as fait graver turbo dessus. Oui, grâce à un pote aussi qui m'avait fait un sticker. Je l'ai collé, je l'ai posé dedans. Et bah, bien entendu, avec beaucoup d'heures de travail, adaptation pour pouvoir le mettre. Parce que t'as peint aussi. Oui. Là, t'as tous les manos intégrés, voilà. t'as repeint toute la console centrale. Exactement, pour donner un petit peu plus de couleur parce que ouais. c'est un peu tristounet. J'ai fait ici, là. Est-ce qu'on va rouler maintenant moi. Qu'on est congelé? Oui, on va se réchauffer un petit Allez. Peu. Il y a un autre truc que Jess elle a oublié de dire. Quoi c'est de parler du capot que tu as remodelé. Oui, il a été taillé, biseauté. Bah oui, je la trouvais pas assez énervée alors. Et là, elle est plus agressive grâce à ça. Là, elle fronce les sourcils. Allez, viens, on y va. On y va. Lâche tout doucement l'embrayage, sinon tu vas être surpris. L'embrayage est dur et la pédale d'accélérateur, elle est super loin. Elle est tout en bas. Oui. Oula, je suis pas sorti du parking. Ha. Ha. J'avais prévenu. Ha. Ha.
C'est un j'essaye ta caisse sur place. Acte 1, scène 27. Merde, ça faisait longtemps que j'avais pas galéré. Acte 1, scène 38. Acte 1, scène 2686. T'arrêtes, hein. Voilà. Faut pas me laisser emmerder, non ? Voilà. Attends, la mission, on l'entend direct. Ah oui, y a pas de DA. Le support moteur a été posé sur le support de DA. Du coup, bah forcément, bah... T'as dû l'enlever. J'ai dû l'enlever, j'ai pas eu le choix. Bah il a une modif qui se fait bien. Ce serait de monter la pompe de DA d'une Astra G. Oh. Ça rien. À combien il se déclenche ton turbo là? Ah il se déclenche tôt. Ah oui, je crois. Déjà le train avant cherche déjà un peu là, c'est rigolo. Est-ce que c'est une voiture avec laquelle on doit se battre un peu? On se bat beaucoup. Hein, oui, ah, beaucoup. J'ai mis un autobloquant, moi, là-dessus. Ah, mais oui, on a... Hyper important. Putain, j'adore. Je fais attention, hein, t'inquiète. Ouais, vas-y. Les deux sont pas encore chauds. Non, non, non. Ah, mais le moteur, il est chaud, lui. Ouais, il est chaud patate. Pétarde et tout ça. Oui. Mais j'aime bien avoir le petit bruit de pch-pch. Et après, bah, quand tu veux te poser, tu te poses quoi. Ouais, voilà. C'est parce qu'il faut pas oublier qu'elle me sert pas que à faire du circuit ou à faire du run ou des trucs comme ça. Et je sais pas si t'avais vu. J'ai mis des petites loupiades. Ah oui, un shift light. Oh, ça tire, bordel de Dieu. Putain, c'est une petite diablesse en fait, elle cache bien son jeu, hein. Ouais. Ouais, je vais y aller sage, hein. Ah, oh, c'est con, c'est génial. Combien de temps ça vous a pris en prenant votre temps? Le plus long, ça a été la voiture à Baptiste, parce que c'était sa première, et fallait se lancer, et on partait un peu dans l'inconnu. Celle-là, ouais, ça a été 6 mois. D'accord. En travaillant que les samedis après-midi. Les freins, ah, très bien. C'était primordial. Ah ouais, là, j'ai aucun reproche sur les freins. Il y a du mordant, de l'attaque. Ouais. Ça freine bien. Après, c'est vrai qu'on a une petite puce légère à arrêter, mais quand même. Ouais, mais une fois qu'elle est lancée, faut l'arrêter quand même vite, hein. Ah bah, tu m'étonnes, c'est pas le tout d'aller vite, hein. Ah ouais, faut aussi s'arrêter, oui. Par contre, j'ai dû déconnecter l'ABS, hein. Alors, oui, on en a pas. D'accord, ok. J'en ai donc, plus. Okay, elle était équipée, mais je l'ai enlevée. C'est bien de la prévenir. Voilà. Oui, la Astra GSI était d'une... C'était rare à l'époque, mais elle avait l'ABS de série. Je me suis fait des cacas sur l'ABS, hein, je peux t'assurer. Ah oui, hein. Ah oui, oui, oui. C'est pas évident, le blocage, non, déblocage des roues, hein. Non, parce que quand elle bloque, elle bloque des 4, hein. Démerde-toi, t'as pas trop de lag, hein. Non, c'est tout de suite, t'as mis paf, direct. Ah
rue, c'est le but. Hein. Ouais, c'est là. C'est vachement bien, la petite gestion, elle est propre. Hein. Ouais, non, Martial, il m'a fait un travail de petit zonou. Le châssis aussi. Hein. Tu vois. Mais Pilstein. Ils sont là. Ouais. Si je refais la caisse. Je vais peut-être mettre des ressorts, les renforcer. Tu crois que c'est nécessaire à l'arrière, ouais. Besoin à l'arrière, oui, d'accord, ok. À l'arrière, ouais. Parce que quand j'accélère, je sens que il s'écrase. Oui. Et du coup, t'as le nez qui bloque. Et qui se lève un petit peu, ouais. Pour histoire de... Putain, c'est génial comme caisse. On se bagarre, mais juste ce qu'il faut, tu vois. On se bagarre et c'est safe. Des fois où je me dis j'ai putain, chaud, hein. Ouais, il y a des fois où je me dis putain, je suis passé juste quand même. Oui, après j'ai pas roulé aussi vite que toi non plus, je la connais pas moi. Ah ouais, c'est sûr. J'ai les mains agrippées au volant comme jamais. Tu comprends pourquoi je refais mon volant et je veux qu'il soit mou. Oui, j'ai bien compris. Tu comprends pourquoi je la garde encore. Ah, mais t'es obligé de la garder là. Oui. Ça, ne jamais t'en séparer. Ah non. Allez, à toi. La charge. Merde, arrête tes conneries, me fais pas peur. Oh putain, non. Oh merde. Pardon. On t'a dit que tu repérais la route. Ah oui, c'est. Bah, grâce à toi, j'ai repéré un petit peu où t'accélérais. Ouais, d'accord. J'avais fait un circuit, il y avait un petit jeune qui était monté avec moi. Il a eu peur aussi ? Ouais. Ouais, bah je comprends. Oh putain, merde. Après, elle a les freins, elle a tout ce qu'il faut. Ah oui. Elle n'avait pas l'autobloquant, elle glissait un petit peu différemment. Ouais. Et je trouvais qu'elle accompagnait la route. C'est différent, c'est une autre manière. Mais c'est pour un ça. C'est un outil ton truc. Je kiffe. Ah ouais. C'est mon jouet quoi. Ouais. Putain, j'adore.